Guys, là je suis à Châtelet avec Victor et sa sœur et on va au concert des Blackpink à Paris. Donc là on est le 11 décembre, je suis en fourrure rose évidemment et avec une écharpe noire parce que Blackpink tu connais. Donc c'est mon troisième concert de Blackpink, je sais j'ai grave de la chance parce que je les ai vus en 2019 et une fois à Séoul. Et là j'ai eu la chance d'être invité par Zalando pour aller les voir aujourd'hui. Du coup là on y va, j'ai trop hâte, je me suis pimpé et puis bah let's go. Je vous fais la bise comme d'habitude. On est là moi. Moi. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Picoma pour un tout nouveau webtoon qui s'appelle Debut or Die. Et en gros, ça raconte l'histoire d'un mec qui est frappé par une malédiction et en fait, s'il débute pas en tant qu'idol, il mourra. Je sais que dit comme ça, c'est pas très joyeux à entendre. Et donc en fait, ce webtoon, il raconte l'histoire d'un héros qui se réveille dans un motel et pas du tout dans son studio. Il va dans la salle de bain, il se regarde dans le miroir et il voit que c'est pas du tout son apparence. Donc là, il comprend pas what the fuck. C'est comme si toi, tu te levais un matin et tu vois t'es Park Jimin. Et donc de là, il trouve des papiers d'identité et il voit qu'il est une autre personne d'une vingtaine d'années. Et donc là, forcément, ton premier réflexe, c'est de te dire, bah vas-y, je vais essayer de retrouver mon vrai moi, tu vois. Et en fait, il ouvre la porte et il voit qu'il neige. Donc là, il se dit, il est dans un autre espace-temps, là, c'est pas possible. Donc de ça, il va dans un cybercafé pour essayer de retrouver son nom. Et il voit qu'il n'existe pas, il n'y a pas ses réseaux sociaux, il n'y a pas son identité. Ce mec-là n'existe plus. Et puis là, tout d'un coup, il y a une fenêtre qui s'ouvre et il y a écrit déclenchement de débute ou meurt. Et là, forcément, il panique et il se dit, il faut que je débute en tant que idol, sinon je vais canner. Et donc, au fur et à mesure du webtoon, en fait, il va se retrouver dans un survival show. Et c'est vrai que ce webtoon, c'est surtout un prétexte pour découvrir les coulisses de l'industrie du divertissement, en tout cas de ce milieu-là. Et tous ces aspects intéressants, toutes les faces cachées, entre guillemets. Ça me rappelle énormément un survival show, Produce 48 en 2018, je sais pas si vous vous rappelez. Je me rappelle, je regardais en streaming parce qu'on n'avait pas d'accès ici en France, vu que c'était une émission coréenne. Et vraiment, ça se voyait que les filles, elles se donnaient à fond, elles étaient prêtes à tout pour le début. Il y en a même, elles venaient du Japon. Elles ont fait énormément de sacrifices pour réaliser leurs rêves. Et c'est comme ça que d'ailleurs, iZone a été constituée grâce à cette émission, même si elles ont disbandé. Mais du coup, c'est là d'où vient Wooyoung, qui est maintenant dans IVE. Et voilà, donc il y en a qui ont redébute, il y en a qui sont je sais plus où, chez les Seraphim et tout. Et voilà, c'est vrai que ces webtoons, du coup, ça me rappelle un petit peu cet univers. Et en parallèle, on va suivre notre héros dans sa lutte dans le survival show pour qu'il puisse devenir un idol, parce qu'en fait, sinon, il va dead. Et c'est vrai que c'est cool de voir un petit peu aussi les envers du décor, tout ce qui se cache derrière les paillettes et tout. Donc si comme moi vous voulez suivre les aventures de notre héros, je vous invite à télécharger l'application Picoma que je mettrai en description. Bisous. On se retrouve au concert des Blackpink. By the way, j'ai fait un concours sur mon compte Instagram pour faire gagner 2 places à des abonnés. Du coup, je vais leur donner en main propre et en plus, je vais réacheter de l'ice tea. Voilà, je vais donner ça aussi à mes abonnés et aussi... Ah, il y a une bonne vidéo là-bas. Et du coup, voilà, moi, j'ai trop hâte. Eh, tu sais, ça commence à m'exciter. Moi, je serais excité quand je serais devant, je pense. J'ai trop hâte. Ah oui, et Victor, je lui ai passé mon ice stick V1 qui vient de faire son parfait. Voilà. Est-ce que t'as hâte? Franchement, pas encore. Hein? Quand je serai devant, je pense. Ah ouais? Parce que tu sais, j'ai pas assez de surprises parce que tu sais, on est allé à Séoul et tout. Genre le mec habitué. Ouais, un peu ça. Est-ce que t'as hâte? Ouais, je commence à avoir hâte. Ouais. Bah, let's go. Moi, je pense que ça sera devant quand on va arriver devant. Ouais. Ouais, bah là, l'adrénaline a commencé à monter là. Des trucs qui traînent par terre, Alex. De quoi? Ah ouais. Et du coup, aujourd'hui, j'ai mis les grises que j'ai fait en Corée du Sud. C'est des grises. Comment on dit ça, un grisien? Comment on appelle les mecs qui font des grises? C'est quoi leur métier? Ouais, c'est un mec qui fait des grises et en fait c'est un mec qui a fait des grises pour Lisa, pour Jennie des Blackpink et tout. Et quand j'étais en Corée, je l'ai contacté pour voir s'il pouvait me faire des grises. Donc voilà, bon, c'est très cher hein, parce que du coup il fait des grises pour G-Dragon, pour les stars et tout. Mais je suis trop content, elles sont trop belles et il y a écrit Goya dessus. Il est là? Mais non. Comme toi. Ça va? Je te demande pas où tu vas. Hein? On va où? On va où? On va où? J'ai trop trop hâte. On arrive dans une station.
Guys, on est arrivé. C'est mal, il y a masse de monde et tout. Mais Alex, ça va? Waouh, wow, Alex, c'est bien toi, hein. C'est gentil. J'ai une question, c'est qui ta bias? Dissou, ma vie. Parce qu'on est né le même jour. Oh, ouais, congratulations. So guys, là je vais donner l'élastic à l'abonné qui a gagné le concours. Tenez. Merci. Félicitations. Profitez bien, bisous. Allez-y, avancez s'il vous plaît, tranquille. Pardon? Guys, là on est arrivé à notre entrée. Donc nous c'est loge et salon parce qu'on a été invités. Voilà, donc on va passer les petits contrôles. Guys, on est rentré. Là, je vais récupérer mon lightstick version 2 parce que j'ai un pote qui travaille à Bercy. En fait, il m'en a mis un de côté. Je l'aime. Donc, Samy, si tu vois ça, je te fais des gros bisous. Il y a Miley. Regardez, elle a fait la coupe de Lisa. Elle a fait la coupe. Mais tic, t'as vraiment bien fait. Hein. Je vous mets une image juste à côté pour la comparaison. Mais genre, t'as trop d'être ça. Lenat, t'es belle. Mais vraiment, la cinquième membre des Blackpink. Enfin, la sixième après moi. J'aime trop. T'es beau quand même, hein. Tu kiffes? Ouais. Tu vois l'outfit de Robbie. Robbie, mon ton outfit. Tu peux nous faire un petit outfit of the day? Je te dis, ça vient. On est à Châtelet là. Pourquoi pas? C'est ça que je vais faire. Hein. Ok. Petite Nike en bouche. Nike en bouche, sympa. Pantalon courage. Pantalon courage, on l'a acheté ensemble. La veste, c'est un créateur, mais je sais pas c'est quoi. Je sais pas si ça vient. Ok. C'est ça que collab Bershka. Très stylé, très stylé. Et les lunettes. Les lunettes sont magnifiques. De la marque Corrosion. C'est très Venom. Très Venom. J'adore. C'est pas ça, coûte 75 euros. Oui, c'est cher. Hein. C'est cher, hein. Oui. Mais apparemment ça se revend 90. C'est un business à faire. Hein. Ah, la Fnac, oui. C'est 90 euros à la Fnac. C'est ça, se faire. Le bien. Roi des Blackpink. Hein. Bah moi je suis pas payé mais je paierai une somme astronomique pour aller les voir. Oh, et c'est ouais. Trop mignon. En vrai tu dis ça de moi. Eh, comment on connecte à ton téléphone, je sais pas quoi là. Faut déjà l'application sur Apple Store. Ouais. Comment ça l'application? Mais c'est pas connecté au monde. Faut d'abord la... Je vais te montrer. Donc là je suis au stand de la Merch. Donc juste pour vous montrer les prix. Bah, les tout ce qu'il y a. Moi? Oui. T'es vraiment bon. Bonjour. Non, je dois récupérer mon lightstick, c'est au nom de oui. Alex Goya. Comment ça, tu dois récupérer? Oui, pour moi, je ne paye pas, ma chérie. Ah? Je suis Blink officiel depuis 2016. Comment ça? Comment t'inquiète. Tu récupères, je sais pas quoi. So guys, j'ai mon lightstick. Hey. Ah, non, j'ai pas d'extrait. Mais regardez cette diablesse. Oh. Pardon, j'ai pas d'extrait. Aïe. Tu bats les femmes. Guys, j'ai pris aussi un sweat à capuche noire en XL. Hop. Et derrière le dos, ça ressemble à ça. Bomb pink en souvenir du concert. Avec toutes les dates. Enfin, il y a toutes les dates vraiment? Ah non, il n'y a pas toutes. Mais nous, on est là. Pareil. Bonjour. Bonjour. Let's go. Wow. Tous les gens. Tout rose. Wow. Eh hey, mais on va bien voir, hein, c'est trop content. Oh my god, calme. On trouve des choses cute sur Zalando. Mais c'est incroyable. Moschino. Les cheveux et tout. J'ai fait un peu ice cream. Ice cream. Un nouvel arrivant dans la maison des Blackpink. C'est vraiment Blackpink House. Ouh. Vous avez où les lightsticks? J'ai acheté en bas. On a dépensé un peu. La chair. J'ai envie d'aller sur la scène. J'ai envie de faire un message. Say what? Bombaya! Oh my god! Mouah! J'adore ton outfit! Hey. Ilia! Comment ça va? Ça va et toi? Oh my god! Tu es beau là! J'ai cru que t'allais arriver en retard, qu'il n'y a pas de première partie. Non, y'a pas. Elle commence direct. What? Donc, du coup, je viens d'arriver et j'ai retrouvé Alex. Ah, on match presque quand oui, même. Deux fourrures. Oui, deux fourrures. Deux fourrures. Il faut déposer. Vite. J'ai posé mon sac. Y'a à manger, y'a des things, des stuff and shit. Y'a des petits sandwichs, des frites, du champagne, du coca, un petit vestiaire. Babe, y'a l'étiquette là qui sort. Attends, y'a l'étiquette qui retourne. Oh my goodness! C'est bon. Tu mets mon sac là. Vas-y, moi je l'ai mis dedans. Ou sinon tu mets tout au-dessus là. Tout au-dessus.
tout en haut là. Là, mais ouais. Il est où mon téléphone? Là, il vlog, wesh. Là. Ah, ok, cool. Là. Ouais. Ça part, et on va aller blaster. Il est là, Coros. Il est dans une autre loge, il est avec Miley. À nous. À nous. À Blackpink. À Blackpink. Wouh. Il est super bon. Putain, ça fait plein de trucs sur mon haut. Blackpink. Elle va commencer avec How You Like That, je pense. Elle veut commencer avec quoi, là, c'est oui, c'est chiant. How you like that? Ah non, elles arrivent pas maintenant. Elles vont défendre de ouf. Bravo. Vite. Coucou. Marquise. La Blackpink House. Blackpink. Léna, tu veux du shampoo ou du coca? On a de l'eau aussi, moi l'Oréal. J'ai rien dans mon verre. Drink. Wesh. Non mais Alex, j'ai passé tellement une journée de merde que là je peux vraiment chialer à tout moment. Je suis choqué. Le temps d'amour. Guys, les gens ils arrivent à voir Léna d'ici, je suis trop choqué. Guys, j'ai tous retourné pour Léna. Je suis trop choqué. Mais va faire la première partie, hein. Fais la première partie du concert. Une star. Une star. Ça commence. Oh my God!
Et ça, c'est une vraie fin. Je pleurais, ils ont mis Stay à la fin. Stay, on doit partir en plus. Stay, on doit partir. C'est tu viens, tu repars. Ah, c'est choqué. C'est passé vite. Et pourtant, il y avait pas mal de musique. Hein. Ah non, mais c'est un peu vite. C'était trop bien. Tellement bien. Oh, je veux rester. Laissez-moi ici. Mais madame, on revient demain. Demandez de vous. Les gars, c'est la fin du concert, je suis revenu à la merch pour acheter le t-shirt. C'est le t-shirt gris. Du coup, le t-shirt, bon, il est dedans, je vois plus. J'ai pris celui-ci, là. À 55, ouais, je sais, c'est cher. Mais ouais. Là, tu prends quoi? Pareil que toi. Ah, t-shirt gris, je pense. Le gris, ouais, il est trop beau, t'as raison. Il est pas mal, hein. Tu vois, la fin, c'est un peu bombé, là, tu vois, là. Il est bien taillé. Yes. Tu prends XL? Oh, les dates, j'aime trop. Elle va partir. Elle s'en va? Oui. Ah. J'ai eu 3 petites photo cards. Je vais ouvrir pour savoir qui j'ai eu. Alors. Ah, ça s'ouvre comme ça. Oh, mais il y en a 2 dedans, c'est vrai. Lisa et Jenny. Elles sont trop belles. Je vais ouvrir les autres. C'est toujours des photos différentes ou pas? C'est votre chance. Ah, je peux les avoir en double. Qui j'ai eu, elle est dissous rosée. Mais c'est les mêmes, mais genre, c'est les mêmes personnes, mais genre, une pose différente. Ok. Allez, rosée, elle est dissous. Ouais, moi aussi, je savais pas. Bon, dissous, rosée, je compte sur vous. Et bien, j'ai encore Lisa et Jenny. Oh, j'ai dissous et Lisa encore. Mais rosée, elle est rare. Moi, j'aime bien rosée. Jure. Tu veux me les changer contre qui? Ils manquent tous sauf rosée. Mais moi j'ai 3 Lisa et 2 Jenny. Ah ouais? Wow. J'ai jamais vu que tu posais moi. Ah ouais? Vas-y, montre. Ce que t'as eu. J'ai 4 photocards et j'ai les 4 membres. C'est ça. Ah bon? Suspense, t'auras quel membre? C'est Jenny ou pas? Dissous! Je crois qu'il y a 2 versions. Et oh, Lisa! Lisa! Oh. T'as qui? Et toi? Jenny! Et après? Et Rosé. Rosé. Oh, mais vous avez les 4! En one shot! Ah oui, une fois! Waouh! Je suis choqué. Allez, au rond. Ah ouais? Alors, tu veux qui? Ouais. T'aimerais avoir qui? Je veux Jenny et Rosé. Ok. Dissous. Lisa. Lisa. C'est Duc. Wow, Alex. Oui. Il est trop beau ton sac. Ah, merci. C'est un quoi? C'est un Blackpink. Un Blackpink, wow. Ouais. On peut mettre pas mal de choses, il a un t-shirt dedans. Wow. Ça va super bien. Tu l'as acheté combien? Il coûte un peu cher. Je crois que je l'ai acheté à peu près 850 euros. 850 euros. Soldé. Ah. Je l'ai acheté à peu près 50 euros. Trop bien. Vas-y, fais voir un peu. Ah ouais, outfit.
coller tes paupières et tout là. Ah, je suis choqué. Il a dit d'un côté de la kebab grâce à moi, je suis choqué. Bon les gars, je suis rentré du concert, c'était juste incroyable et j'ai mis les t-shirts que j'ai achetés, je vous montre. Il rend comme ça, je l'ai pris en XL, c'est pas si oversize que ça. Genre, j'apprends que ça me taille comme un L France, voilà. Mais il est trop cool et derrière, genre, il y a toutes les dates, je sais pas si on peut voir. Voilà, bon, on n'a pas très bien vu mais vous avez capté. Et franchement, c'était juste incroyable, c'était trop bien. Et pour comparaison, honnêtement, par rapport à Séoul, ça n'a rien à voir. Je sais pas si vous avez vu mon vlog précédent, c'était le concert de Blackpink à Séoul. Et l'ambiance était vraiment différente. Je trouve qu'il y a vraiment un écart entre celui de Séoul et Paris. Après, je sais que la culture des concerts à Séoul, voilà, c'est, ils sont pas comme nous, ils sont pas bruyants, ils ont une certaine discipline et c'est une autre culture. Mais moi, je préfère celle de Paris, honnêtement. Et puis même... Blackpink elles-mêmes savent qu'à l'international, elles peuvent se lâcher, elles peuvent être... Pas qu'elles sont pas elles-mêmes à Séoul, c'est juste qu'elles s'adaptent selon où elles se trouvent. Et juste en France, je ne sais pas il y a quoi dans l'air français, mais en tout cas, moi j'aime bien les voir comme ça, quoi. Elles sont toutes dévergondées et tout ça, j'aime trop, enfin bref. Et bref, c'était juste trop bien, je ne sais même pas quoi dire, là je suis encore sous le choc, carrément. J'ai grave de la chance d'avoir pu les voir autant de fois. Et je suis tellement reconnaissant. Je suis trop reconnaissant. Et je suis tellement content. Je sais que je ne vais pas à tous les concerts, etc. Je sais qu'il y a bientôt le concert de H's. Bah, je ne vais pas, je crois pas que je vais y aller parce que honnêtement, je connais à tout casser 5 sons de H's. Donc, je ne les stan pas autant. Mais Blackpink, par exemple. Bah, Blackpink. Enfin, genre Blackpink. Anyway, en tout cas, c'était trop cool. Je vais aller dormir parce que je suis trop fatiguée. Je me suis démaquillée et tout. Je me suis lavée et puis maintenant, dodo, quoi. Je vais bien dormir. En tout cas, merci d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que je ne vous ai pas trop cassé les tympans. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Normalement, si j'arrive à les monter rapidement, ce sera la suite de mes vlogs à Séoul. Il reste encore 2 épisodes. Du coup, normalement, dans les prochaines vidéos, on se rejoint à Séoul une nouvelle fois. Bisous!